dirty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, je vais vous présenter la mise à jour, tout simplement. Alors, il y a deux choses à présenter. La première, c'est le nouveau Shroud, le Shroud V2, la variante héroïque, le Shroud injecté de sang, en français. Et la seconde chose, c'est la nouvelle omnicellule Spectre. Et franchement, elle est pas mal. Elle se classe pas aussi que discipline, selon moi, mais elle est pas si mal. Voilà. Et du coup, je vais vous laisser découvrir le nouveau Shroud. Je me suis rendu compte que j'avais un problème de micro, ce qui fait qu'on n'entend pas ma voix. Un max de plaisir. Voilà, bonne vidéo et je vous expliquerai au fur et à mesure du coup tout ce qu'il faut savoir. Alors, nous allons désormais nous attaquer à la nouvelle omnicellule. Alors, pour ça, il faut bien évidemment la débloquer dans la voie du Slayer. Le premier qui pose un commentaire où est-ce qu'on débloque l'omnicellule, je le tape. Non, c'est pas vrai. Je vais juste pas lui répondre. Parce que, bon, c'est marqué dans la vidéo, tout est dit. Allez dans la voie du Slayer, vous débloquez la nouvelle omnicellule.
Et ensuite, vous allez la crafter du coup au médiateur où il vous faudra du coup des composants du nouveau Shroud. Alors là, j'en avais chassé deux, mais j'ai aucune queue, un max de plaisir. Du coup, je suis allé farmer. Voilà. Du coup, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. On la craft et maintenant, on va aller tester ça. Alors, concernant les effets de la nouvelle cellule Spectre, c'est pas très compliqué à comprendre en fait. Ça va vous drainer de la santé. Et suivant la santé Excadrain, par tranche de sang, ça va faire apparaître X tentacules. Si ça draine 100 points de santé, ça va du coup vous enlever, ça va du coup faire pop une tentacule. Si elle touche le mob, ça va faire spawn un. Comment dirais-je? Ça va faire spawn une horde qui va augmenter vos dégâts. Et pendant toute cette durée, vous ne pourrez pas vous soigner. Cependant, à la fin de la durée de spectre, vous allez vous soigner et pas qu'un peu. Donc, le but du jeu, en fait, c'est d'utiliser spectre, allez, une à deux fois, après vous soigner et après le réutiliser afin de maximiser vos dégâts. Ça sert à rien de bourriner spectre comme j'ai fait au début, comme un bourrin. En fait, vous allez perdre du DPS et surtout, ça va être beaucoup plus dangereux.